Allez. Essayez de remonter la route. T'es sérieux mon gars? Bien. Ok, j'ai rien dit. Arrose, arrose, arrose. Oh putain, ça tire d'où, sérieux? Je sais pas d'où il est venu ce... Putain, on est mort. Allez, on la refait. Allez, on arrête de se la raconter. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Putain, l'enfoiré ce qu'il met quoi. Je vois pas, il vient d'où son Panzer machin là, Panzer Frost. Je crois qu'il vient de là. Ouais, c'est ça. On met une deuxième au cas où. On va pas prendre de risques, hein. Pour être crevé comme tout à l'heure. On voit que dalle, sérieux? C'est un truc de fou. Putain, il a failli m'en mettre une encore. C'est quoi ce reflet là-haut là? Là, la fenêtre, je crois, y en a un. Oh putain, les gars. Tranquille. Oh, y'a un Panzer en face. Non, 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 non. Je t'ai fumé, toi. Merci. Putain, on voit pas grand-chose, hein. Franchement. J'ai vu qu'il y avait un blindé en face. Il est là. Hein. Oh bordel, il y en a un autre sur la gauche. J'ai peur d'avancer quoi. Laisse tomber, je sens que ça va être difficile. Bon, faut pas que je reste statique, sinon ça va être tendu. Il me semble qu'il y a un blindé sur la droite. Hein. Limite, on va se déplacer latéralement quoi. Voilà. Hop. Je sais pas si t'as cette fenêtre, le mec. Je pense qu'il a pété tout à l'heure, mais. Il y a bien un mec ici à l'étage. Hein. Là, sur le balcon, là. Voilà. Ça, c'est bon. Franchement, c'est hyper tendu quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ce bruit? C'est quand même incroyable de moins se sentir en sécurité dans un blindé qu'à pied quoi. Et toujours cette sensation, je préfère être à pied quoi. On voit que dalle quand même, hein. Faut le dire. Hein. Sac de sable. Ouf. D'accord, il y avait un truc anti-char là-bas. Là, c'est par là, faut que j'aille en plus. Allez, 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 allez. Recharge vite. Oh putain, je les ai ratés, il y en a un là-bas là. Oh c'est chaud, il y en a beaucoup.
dans le doute, hein, je préfère tirer deux fois au même endroit. Voilà. Qu'est-ce qui me tire dessus là? Je crois qu'il est sur la gauche, j'ai pas envie qu'il ait mon chef, je sais plus comment on appelle ça, le chef de char. Oh bordel! Voilà, ça c'est fait. Ah, il tire même pas la mitrailleuse lui d'ailleurs là, comment ça se fait? Est-ce que je peux tirer avec lui? Ok! Il fallait me dire que tu pouvais tirer comme ça quoi. On peut faire toucher des têtes, c'était pas mal au moins. Les murs ils se pètent pas. J'ai pas envie d'aller par là. À gauche là. Bon, ils sont morts, ça va. Dans le doute, hein. Ça coûte cher, mais ça peut me sauver la vie. Allez, allez, allez. On peut le faire. Ouh ! Laisse tomber ! Ouais, c'est des suicidaires les mecs. Bien joué mon gars. Donc j'ai compris comment ça marchait, c'est un peu mieux. Oh! C'est quoi? Je mets une deuxième, on sait jamais. Il est mort le... Attendez. Oh bordel! Elle est passée juste au-dessus de ma tête. Oh putain l'enfoiré! Oh putain l'enfoiré! Ah oh, là 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 là! Ils étaient combien les mecs là? Et j'ai vraiment pas vu d'où ça venait, je crois que ça venait d'en bas, je sais pas. Pff, allez on y retourne. Je crève plus en blindé qu'à pied, c'est flippant quoi. Allez, c'est parti. Merde, je suis tombé. Je fais ça pour essayer de toucher les têtes parce que ça les évite de tirer, de sortir et tirer. Oh le tir de merde! Attends, 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 vite, vite, vite! Ouf, merci. Je les voyais arriver, les balles qui se rapprochaient là. Je vois rien, je vois rien. Il est passé lui. Il a rien pris le man. C'est quoi là-bas? C'est lui que je vais fumer. Ah ouais, il y en a un là, c'est sûr. Ok, il était là. On va te mettre un coup de canon là-dedans. Personne à ma droite, ça va.
Ah putain, y en a là. Là, juste en face. Non, c'est derrière, derrière. Je sais pas si vous avez vu, il y en a sur ma gauche aussi. Ah, ils sont là, putain, merde. Je sais pas si je les ai eus. Lui, il est mort sûr, il est même passé au-dessus de la barrière. Oh, j'ai peur, j'entends des sons, j'ai l'impression que c'est une roquette qui est en train de passer juste à côté de ma tête. Enfin, de la tête de mon pote. Mon camarade. Ah, tu pecs, tire leur dessus, merde. Il est HS, lui? Je pense que oui, hein, sinon il m'aurait déjà tiré dessus. Dans le doute, hein. Oh, la place. Oh, la place. Oh putain, je l'ai vu arriver, ouais. Non, ça a pété. Ouh. C'est safe à droite, je crois pas. Ah putain, y'a un mec à la fenêtre là. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, t'es. Il est mort son pote, son pote. Bon, on va contourner par la droite. Oh bordel, bordel, bordel. Oh les mecs, vous êtes où? Ah, toi t'es mort. Cool. Autant que ça se termine comme ça. Merci du coup de main, mon vieux. T'en prie. Du bien des Yankees. Parce que tout est rassis. Même rassis, c'est bon à manger. Oh, Matt. Salut, Red. J'ai quelque chose à te dire. À propos de... On devrait faire ça en privé. Les hommes ont besoin de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Matt, tu dois admettre que ce qui s'est passé à l'hôpital était... T'étais en train de tirer sur un mur. Je ne tirais pas vraiment sur... Si, Matt. Alors, vous êtes fou ou cinglé? Un peu. Non, je vais bien. C'est arrivé une fois, Red. Matt, je t'ai trouvé en train de tituber dans un hôpital. Je cherchais Frankie. Tu sais, Matt, peut-être que si tu tenais tes hommes, au lieu de toujours essayer d'être leur meilleur pote, peut-être que tu n'aurais pas besoin de les chercher. Ah ça, c'est dit. Oh putain! Non! Votre visage. On va vous sortir d'ici. Où est Red? Taisez-vous. Oh là là. Posez-le là. Est-ce qu'il va bien? Posez-le, je vous dis. Regarde-moi, Fryer. Allez, vieux. T'es plus costaud que ça. Regarde-moi. Oh, Red. Alors? Ne respire pas, écartez-vous. Red, je sais que vous m'entendez, Red. Essayez de respirer. Respirez, allez, respirez. Dorian. Il n'est pas mort, d'accord? Ferme-la. Respirez, bordel, Red, respirez. Sam, on peut rien faire de plus. On doit y aller. Non. Allez. Allez. Allez, vieux. Merde, allez, Red. On va monter dans les jeeps et rejoindre une antenne médicale. Vu comme on est sonné, on risque juste de se blesser davantage. Les frayeurs à l'arrière de la... M'en charge. Désolé.
Comment vous vous sentez pour l'instant? Ça peut aller. J'ai demandé encore et encore. Prenez-moi, moi, pas eux. Mais il n'y a personne pour écouter. Frankie n'était qu'un gamin. Je vous ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Et Red? Je sais même pas s'il s'en sortira. Seigneur. Non. Pas lui. Encore une demande. Impossible à satisfaire. Surtout. Surtout pas Red. Oh là 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 là. C'est vous, Baker ? Oui, mon colonel. J'aimerais vous parler une minute, mon vieux. L'antenne médicale a clairement dit que le sergent Hartsock ne reviendrait pas. Les derniers jours ont été rudes. Je voulais donc vous parler personnellement. Oui, je comprends. Je suis ici de la part du capitaine Wilder. Nous ne voulions pas le faire, mais il est important que le groupe de reconnaissance continue d'avancer. Le temps est compté. D'ordinaire, je ne ferais pas ça, mais vous connaissez ces hommes mieux que personne. Oui, mon colonel, c'est vrai. Selon vous, qui pourrait commander la deuxième escouade? Le caporal Paddock, mon colonel. Vous en êtes sûr, sergent? Certain, colonel. Bien, je l'informerai de sa promotion. Vous faites du bon travail, messieurs. Alors, c'est tout? Sam... Il vénère. Quoi? Dis-moi ce que j'ai pas fait pour toi, Matt. Cite-moi un seul ordre que j'ai pas suivi à la lettre. Il ne s'agit pas de ça. De quoi, alors? Du calme, Sam. Du calme. Du calme. On était caporaux ensemble, Matt. Je suppose que ça veut rien dire caporal. Pour toi. Quoi? Mon travail, c'est de vous garder en vie. On suit les ordres ou on meurt? Vous l'avez dit vous-même. Je vous ai entendu le dire à Frankie. Il est mort dans mes bras parce que vous n'avez pas réussi à lui faire comprendre ça !